Bonsoir à tous, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Merci d'être au rendez-vous habituel du mardi soir. Alors, ce soir, on pointe en retard, hein, 8 minutes. Je ne sais pas quelle va être la pénalité, mais en tout cas, voilà, désolé, on a eu un petit peu de retard. J'en profite pour remercier les partenaires hein, qui nous suivent et nous sont fidèles, GT2I, la FFSA, Yako et évidemment Michelin. Alors, bon, à la veille de l'armistice, je vous avoue que je signerais bien pour quelques rallyes supplémentaires d'ici la fin de l'année. Même si c'est avec des chars d'assaut, on est prêt, on se satisferait bien de ça. Voilà, cette émission, elle va avoir pour originalité, on va avoir trois invités seuls face à Mathieu et moi. On va essayer un petit peu de les cuisiner puisque ça va être l'heure du repas aussi. Donc bon, ça va nous permettre d'en savoir un petit peu plus. Voilà, on démarre tout d'abord avec ceux qui sont allés à l'étranger pour rouler. Johan Bonato, Adrien Fourmeau, Grégoire Master et Louis Lucas. Mais tout d'abord, c'est Mathieu qui va me donner un petit coup de main ce soir pour interroger tous ces gens-là. Eh bien, bonsoir à toutes. Ouais, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Eric. Déjà, avant de commencer, je voulais te féliciter pour l'émission de la semaine dernière. Je vous ai suivi avec beaucoup d'attention avec Philippe. C'était une très belle émission. Donc déjà, bravo à vous. Et puis, en effet, voilà, je suis de retour du plus beau pays du monde. Je pense que ça fait longtemps que je n'ai pas vu un pays aussi beau, la Hongrie. Je plaisante, c'était un petit peu parti. Il y avait le mot gris hein, dedans, hein, déjà. Donc, c'est ça, il y avait le mot gris. Mais on a trois de nos invités qui pourront nous en parler. Voilà, comme tu as dit, une émission un petit peu particulière. C'est la numéro 10. Souvent, le numéro 10 dans une équipe, il est assez technique, il est assez spectaculaire, il régale les spectateurs. Donc, ce soir, on va essayer de faire un peu les trois en abordant plein de thèmes tous aussi intéressants les uns que les autres. Et Eric, je te laisse commencer. Honneur à toi. Ouais. À noter aussi qu'on aura la rubrique avec Cédric Mazinck hein, pour les questions techniques. Ce sera la dernière en ce qui concerne Cédric. Voilà. Mais on aura aussi une belle surprise avec le champion de France 2013-2014. On est allé les sortir de leur cave ou de leur grenier. Voilà, on va essayer de prendre quelques nouvelles. Et ce soir, ce sera donc Julien Morin. Voilà, donc Adrien, salut, on va commencer par toi. Tu as été du côté de l'Italie, du côté du rallye de Como, avec une belle victoire. Donc félicitations, ça a été avec du panache, de la constance, mais un peu pareil qu'au Portugal finalement. Hein. Bonjour à tous, ça s'est très bien passé. Cette fois-ci, aucun souci, le rallye s'est très bien déroulé pour nous. On a réussi à faire, je pense, un très bel spécial de nuit le premier soir. Ça faisait plaisir de retourner faire des spéciales de nuit. On n'avait pas roulé, depuis le Monte Carlo de nuit, donc ça faisait vraiment plaisir. Et puis tout le long du rallye, on s'est fait plaisir. Il y avait une belle bagarre avec les locaux. C'est toujours compliqué d'aller se battre, on le sait, dans les rallyes nationaux face aux locaux. Et c'était une super bonne expérience pour nous avant le rallye de Monza, qui aura lieu début décembre dans le championnat du monde. On espère qu'il sera toujours maintenu malgré la situation sanitaire. Et puis voilà, on espère que ça fera un bon entraînement et que les spéciales iront aussi en dehors du circuit, parce que dans ces cas-là, je pense que ça ne nous aura pas beaucoup servi. Ouais. À quoi tu peux comparer un peu les spéciales que tu as rencontrées là, en essayant de comparer sur une manche de championnat de France ? Écoute, c'est un mélange du rallye d'Antibes, donc du coup du Monte Carlo, et puis parfois des spéciales un peu plus larges comme le rallye de Lyon. Par contre, c'est quand même plus vallonné, c'est vraiment, je pense, plus comme le rallye d'Antibes, mais par contre le goudron est bien fermé. On dirait que c'est du vieux goudron, donc ça glisse beaucoup. L'adhérence, on pourrait croire qu'en Italie il y en a beaucoup, finalement parfois ça glisse pas mal, donc c'est un mélange un peu. J'ai connu des Adrien. Années sans Remo dans ces périodes-là où il y a beaucoup de brouillard. Est-ce que ça a été le cas là ce week-end, un peu le matin ou... Alors effectivement, en fait, le premier jour, c'est-à-dire le jour de reconnaissance et le lendemain, le premier jour, on a eu vraiment un gros brouillard. C'était vraiment bloqué, ça restait dans la vallée. Par contre, ça fait, je pense, de belles photos. Je pense que les photographes se seraient fait très, très plaisir. Je pense à quelques photographes français. Et puis en fait finalement pour le rallye ça s'est beaucoup plus découvert que ce qu'on pensait, donc en fait on a fait du coup une petite erreur de choix de pneus le deuxième jour de course, parce qu'on s'attendait à avoir du brouillard et du coup de l'humidité sur la route comme la veille, et là en fait ça s'est découvert et c'était tout sec. D'accord. Mathieu ? Ok. Ouais, Adrien, déjà 13 rallyes cette année, 3e victoire scratch. On peut dire que tu es dans une très belle spirale positive, peut-être la plus belle depuis le début de ta carrière. Comment tu l'expliques ? Est-ce que c'est l'enchaînement des rallyes ? Est-ce que c'est le travail qui paye ? Voilà, comment tu expliques ?
Malgré, alors on rappelle que tu roules souvent sur la même voiture, mais que tu changes d'équipe, il y a quand même des petits changements, mais cette spirale, elle reste très positive là depuis plusieurs mois. Ouais, ça reste très positif, c'est que il n'y a pas de secret. Je pense que l'entraînement, c'est important. On peut le voir avec les pilotes qui roulent beaucoup en ce moment. C'est une bonne dynamique pour nous d'enchaîner les rallyes, que ce soit sur la terre, sur l'asphalte. On essaie d'avoir une bonne dynamique et je pense que ça donne confiance un peu à tout le monde, ça donne envie de rouler un peu plus. Et du coup, je pense que ça m'a aussi donné, moi, beaucoup de confiance, un peu comme j'avais été en 2018 pour le championnat junior. Et ça me permet, je pense, de donner le meilleur de moi-même et d'arriver, en fait, vraiment avec plus de confiance à chaque course, quoi. Je sais que c'est important. Je pense que Johan, il peut confirmer lors de ses titres aussi. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Du coup, moi, j'avais deux petites questions pour toi, Adrien, et après, on changera d'invité. Une première, ce n'est pas vraiment une question, c'est pour remonter le moral de nos autres invités. Est-ce que tu peux expliquer en 10 secondes ce que ça fait de prendre un virage sur l'asphalte avec des slicks? Eh bien, c'est une superbe sensation. Alors, c'est quelque chose qui met de l'adrénaline, ça met des jets dans le siège, on sent le bassin se caler dans le siège. Je pense que c'est vraiment quelque chose que je leur souhaite au plus vite. C'est vraiment quelque chose d'agréable. Ok, ça, on leur laissera te répondre plus tard. Et du coup, la deuxième, qui peut peut-être leur casser le moral, est-ce que tu vas venir les embêter sur leur prochain rendez-vous à tous les deux, enfin à tous les trois, qui sera les Canaries? Alors c'est en cours de on essaie d'y aller vraiment. Alors c'est pas encore officialisé, on essaie vraiment de venir avec tout le monde, enfin, c'est-à-dire avec les sponsors, etc., avec les partenaires, avec M Sport, on aimerait bien y aller. Donc on aimerait bien aller les retrouver, aller se confronter avec. Ça sera avec le plus grand plaisir. Hein. Ok, merci, merci Adrien et Eric. Je te devance, je pose la première question à Johan. En 10 secondes, qu'est-ce que ça fait de passer des virages sur la terre en slick? Moi, j'ai une autre question avant de répondre à celle-là. Tu as dit que tu voulais cuisiner les pilotes, mais est-ce que tu sais ce que ça fait quand tu cuisines un Belge? Non, tu vas me le dire. Bah, ça fait des frites. Bon, bah, écoute, on verra dans quelques minutes si c'est le cas. En tout cas, ça ressemblait plutôt à un dessert, hein, ce rallye millefeuille-là. Ouais, c'était digne d'un rallye du Pondreau, il paraît. Donc, écoute, on a découvert un petit peu cette... nouvelle discipline qu'on ne connaissait pas. On s'est pris les pieds dans le tapis. Et puis après, on a réussi à rectifier un petit peu le tir le dimanche. Mais ça a été un rallye riche en expérience pour nous. En fait, là, pendant les records, vous avez découvert des spéciales, mais sans route, en fait. Voilà. En fait, il y a des super belles portions de route qui sont des vraies routes avec des vrais virages. Il y a même parfois des pointillés au milieu de la route. Donc, tu as vraiment la sensation d'être sur quelque chose qui ressemble à de l'asphalte, plutôt joli. Et puis d'un coup, tu ne sais pas pourquoi, le Hongrois a décidé par lui-même de quitter cette magnifique route et de rentrer dans un chemin forestier complètement pourri et défoncé, alors que cette magnifique route, visiblement sur la carte, continuait pendant un bon paquet de kilomètres. Et pouvait t'emmener au même endroit. Et ça. Pouvait t'emmener exactement au même endroit. Donc voilà, on s'est dit que effectivement, c'était des coins un petit peu reculés où le Hongrois pouvait s'isoler beaucoup plus facilement que c'est sur ces grandes nationales. Bon, un degré de difficulté là, de 1 à 10, là, tu as vraiment connu quelque chose que tu n'avais pas vu encore. Ouais, bah de 1 à 10, je dirais 12. Ouais. Bon. Non, c'était. En fait, si tu veux, les conditions d'asphalte en elles-mêmes, elles sont bonnes. Les conditions de terre en elles-mêmes, elles sont bonnes. Mais la mixité des deux. Fait qu'en fait, il y a un moment où tu as un problème dans ton cerveau, ça ne switche pas suffisamment bien. Quoi. Voilà. Le pneu ne comprend pas ce qui lui arrive. Ouais. Ni le pneu, ni la voiture, ni le pilote, ni le copilote. Ce n'est pas toujours très adapté aux conditions. En fait, tu as beaucoup peur des crevaisons, tu as une partie qui devient très aléatoire. Et quand les rallyes viennent aléatoires, c'est toujours un petit peu pénible. Ouais. Quoi. Alors, tout le monde a crevé 3 ou 4 fois, mais toi, en fait, bon, toi, à peu près pareil, hein, je crois, c'est 3 fois au total. C'est plus qu'une saison complète, en fait. Ouais, même que deux, on va dire. J'ai une crevaison qui m'a fait perdre du temps. Sinon, les deux autres, ça a été vraiment des crevaisons lentes qui ne nous ont vraiment pas fait perdre de temps. Mais la difficulté, c'était de dire où est-ce qu'on a crevé et à cause de quoi on a crevé. Parce qu'il y a tellement d'endroits, de milliards d'endroits possibles où tu peux crever que tirer une conclusion sur un tour pour se dire « je vais essayer de ne pas me faire avoir sur le deuxième tour », et bah, t'es pas toujours très malin à sortir
la bonne raison, alors que sur un rallye normal, quand tu crèves, en général, tu sais où c'est, et derrière, tu fais attention. Là, on s'est dit, si ça se trouve, on fait deux fois la même. Après, on savait comment ça faisait de rouler sur la jante. Hein. Ouais. Et le niveau des adversaires, là, pour le coup, alors évidemment, hein, il y avait des noms de niveau mondial, Mikkelsen, Brin, etc. Mais bon, le niveau, là, c'est vraiment un step au-dessus par rapport à ce que tu connais jusque-là. Ouais, je pense que c'est beaucoup plus facile de se battre contre Adrien Fourmeau. Tu vois, les gars sont quand même beaucoup moins rapides. Non, c'est sûr que le niveau en ERC, il est, je pense, le même qu'en WRC2 ou qu'en WRC3. Je pense que c'est à peu près, de toute façon, ce sont les mêmes pilotes, ce sont les mêmes voitures. La seule différence, je dirais, qui pour moi est un gros avantage sur le championnat ERC, c'est que tu te bats pour un scratch. Tu n'as pas les WRC devant toi qui te polluent, ouais, la route. Alors, on va dire qu'en Hongrie, ça n'a pas trop d'incidence parce que finalement, la route est très, très polluée. Mais j'imagine même pas ce que ça peut faire si les WRC étaient sur ce rallye-là devant nous en R5 sur les parties de terre où vraiment il y a des endroits où tu peux couper, mais c'est vraiment très risqué, quoi. Ok. Alors, avant d'avoir donc les deux Belges invités, il y en a un troisième qui va s'incruster et qui a un petit message pour toi, Johan. Mon cher Johan, j'ai vraiment apprécié les conseils que tu as pu me donner la semaine dernière concernant le décalage horaire sur le Portugal et les heures de pointage qui en découlent. Je note que visiblement, dimanche soir, il y avait aussi un décalage horaire en Hongrie. Mais bon, je suppose que ça a aidé votre ami russe. Du coup, j'ai aussi noté, étant un grand fan de rallye, que tu n'appréciais pas trop les conditions un peu compliquées, tu vois, comme on rencontre chez nous en Belgique. J'ai même été fort de constater que mon compatriote a été quand même régulièrement devant toi, voire tout le temps devant toi. Du coup, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose pour toi. Là, dernièrement, le championnat de rampe étant prévu à Spa en Belgique, tu risques quand même de rencontrer des conditions compliquées. Du coup, j'ai un petit conseil pour toi, c'est de passer au local. Fromage de Maretsu et la Chimay, la bière de Chimay. Donc, tu passeras faire un petit décollage chez moi si tu veux en allant à Spa. Je suis sur la route entre l'aéroport de Bruxelles et Spa. Et en attendant, à bientôt pour d'autres aventures avec toi. Merci. Voilà, à boire avec consommation, évidemment. Modération, hein, pas avec consommation, Eric. Hein. Voilà, c'est le petit message de Renaud. Une réponse, Johan, parce que bon, à force de charrier tout le monde, il faut bien que de temps en temps tu prennes le petit retour du bâton quand même. J'espérais qu'il me parle surtout de la première spéciale, parce que c'était quand même la palme de notre week-end, je pense, quand même, cette spéciale 1. Et j'espérais qu'il me parle de celle-là. Bon, le dernier pointage, effectivement, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, peu importe. Mais la chimie, on connaît chez nous aussi. Hein. Nous, on a le Genepi, mais la chimie, on en profite aussi. Hein. D'ailleurs, c'est un truc qui doit bien exporter, les Belges. Hein. Allez, bon, merci. Alors, on va passer à Grégoire et Louis. Alors, tout d'abord, félicitations. Hein, une superbe deuxième place, la victoire en ERC Junior. Bon, Grégoire, ton sentiment, là, ça a été un week-end de haute performance. Bonsoir, merci beaucoup. Oui, le week-end s'est super bien passé pour nous. Contrairement à Johan, on était assez familiarisés avec les conditions. Et puis, comme il parlait de la mixité du parcours, pour nous, l'asphalte a souvent le même niveau de grip que de la terre. Donc, ça ne nous a pas vraiment choqués. Mais non, en général, on a su éviter les petites erreurs, on a crevé, mais c'était une petite crevaison en fin de spéciale, donc tout s'est bien passé, on a fort attaqué la première journée pour pouvoir ensuite calmer un peu le jeu le dimanche. On va rappeler, Grégoire, pour les gens qui nous rejoignent et qui suivent peut-être un petit peu plus loin l'ERC, que vous êtes en tête de l'ERC junior, que vous êtes troisième du classement général. Cette année, c'est déjà deux victoires en junior. Et puis, ce week-end, le meilleur résultat scratch avec cette deuxième place derrière Andreas Mikkelsen. On peut dire vraiment que c'est une grosse année pour vous deux. Comment tu peux l'expliquer? C'est un peu comme Adrien, c'est cette spirale un peu positive d'être bien dans la voiture. Enfin, voilà, vraiment, cette année, on a l'impression que vous avez passé un step tous les deux. Est-ce que tu le confirmes? Oui, exactement. On a eu, comme Adria, la chance de beaucoup rouler cette année, même compte tenu de la situation sanitaire. Et en plus, c'était notre première année donc, avec la Hyundai. Et donc, plus on est dans l'auto, plus on commence à la connaître, que ce soit sur l'asphalte ou sur la terre. Donc, c'est sûr que ça joue beaucoup. Et puis, on est super bien entouré et soutenu. Donc, ça aide forcément. Ok. Louis, toi, Louis, vas-y, Eric.
Vas-y. Non, ben lui, en fait, ben, je voulais un peu poser la même question. Est-ce que tu sens que le niveau s'élève au fur et à mesure de vos sorties? Alors, on parle de sortie, être engagé à un rallye, hein, pas les sorties. Ouais, j'ai bien compris. Fatalement, oui, hein, les résultats, chaque fois, sont un petit peu meilleurs. Et je pense qu'on essaye à chaque fois de tirer des enseignements du rallye précédent et d'appliquer ce qu'on a remarqué au rallye suivant. Et c'est comme ça qu'on garde la même régularité en chaque fois haussant un petit peu le niveau de jeu. Et du coup, le résultat est à chaque fois un tout petit peu meilleur. Donc, bah, pourvu que ça dure, si ça continue comme ça, ça devrait être sympa. Mais il faut espérer qu'on continue, qu'on arrive à garder ce phénomène-là, quoi. Là, vous vous concentrez vraiment sur ce titre junior, en fait. Hein. Je pense que c'est votre principal objectif. Alors, il devait y avoir Ypres et Spa pour finir. Et il n'y a plus que Spa. Ça devait vous avantager, hein, forcément. Un petit peu. Canary, Spa. Oui, d'accord. Canary. Mais avec. D'accord, oui. Non, mais je parlais de Ypres qui avait été annulé. Mais, bien sûr. Ouais. En fait, donc là, il ne vous reste plus que Spa pour avoir un terrain un peu à votre avantage, en plus. Exact. Ben, faut espérer que Spa soit maintenu. Apparemment, ça discute toujours. On n'a pas encore eu de mauvaises nouvelles, en tout cas. Donc, on croise tous les doigts. Et c'est sûr que, ben, bien sûr, hein, rouler sur un rallye qu'on connaît, c'est toujours un avantage. D'autant plus que c'est le rallye à la maison pour Grégoire, vu qu'il est quand même assez proche des spéciales. Enfin, il est originaire de cette région. Donc, c'est un rallye qu'on aime tous les deux. Mais je pense que c'est sûr, c'est un avantage de connaissance du terrain, mais on aborde toujours le rallye, que ce soit à 10 km de chez nous ou de l'autre côté de l'Europe. On est toujours aussi déterminé à le préparer de la même façon et à vouloir être plus performant. Pour un copilote, qu'est-ce qui a été le plus compliqué en Hongrie, là, par exemple? La découverte du pays, bon, les panneaux, il n'y a rien écrit en français là, sur les panneaux. Voilà, le plus difficile, c'était la prononciation des directions à suivre et tout ça. C'était impossible. Il y a des S, des Z, des K dans tous les sens. Et même si en Belgique, on parle un peu flamand, c'était quand même encore un niveau au-dessus. voilà. Bon, c'est sûr que les conditions étaient très compliquées. Après, quand on est copilote, ça ne change rien au travail en lui-même. Mais c'est sûr que c'était difficile pour les nerfs, quoi, parce qu'il fallait trouver le bon mix entre rouler vite et rouler sécure sans prendre de risque pour les crevaisons et tout, donc voilà, c'était un peu éprouvant pour les nerfs, mais c'est aussi à ça qu'on sert, hein, garder un peu de sérénité dans l'auto et voilà. Ok. Ils ont quand même fait une sacrée course parce que honnêtement c'est vraiment un rallye difficile, même s'ils ont ça parfois en Belgique chez eux et qui se vantent d'aimer la boue et que ça glisse, ça reste quand même un exercice qui est très difficile. C'est beaucoup plus facile de prendre un virage sur asphalte sec que sur de la boue, quelle que soit l'expérience que tu as. Et la course qu'ils ont fait là et la progression qu'ils ont montrée depuis le début de saison, en tout cas en ERC, puis je me rappelle, on avait pas mal discuté au Monte Carlo, c'est quand même un équipage belge, à mon avis, prometteur pour leur nation, en tout cas. Alors, il y a un autre qui pense merci ça beaucoup. Voilà, il y a un autre qui veut intervenir et vous parler à tous les deux, Grégoire et Louis. Donc, on va l'écouter. Grégoire, merci pour ton performance en Hongrie le week-end passé. Je sais que c'était un week-end très dur, mais tu es arrivé dans les Belges. Alors, le spécial là, il était un peu comme faire la course à la maison. Et voilà, merci pour ton performance. Je suis content de voir que tu vas très bien progresser. Avance comme ça, c'est mieux pour toi que tu t'avances comme ça. Ciao. Je sais pas, Grégoire, si tu as bien entendu la dernière phrase, mais elle est quand même importante, hein, parce qu'il te dit de continuer de progresser et que c'est important avec un petit clin d'œil. Quel est un peu le lien que vous avez, les échanges que tu peux avoir avec... On rappelle que vous faites partie du Hyundai Junior Driver Programme. Voilà, qu'est-ce que ça peut vous amener concrètement de faire partie de ce programme Hyundai? Bah déjà, pour commencer, on est super bien entouré. On reçoit énormément de conseils, etc. Puis pour leur soutien, qu'il soit par exemple financier, c'est aussi des petites choses comme par exemple... qu'on puisse assister à des séances de test, avoir des ingénieurs qui viennent nous suivre sur les rallyes, etc. Donc, c'est plein de petits trucs qui font vraiment une grosse différence. Et ça nous permet d'évoluer dans de superbes conditions pour s'améliorer. Et quand on reçoit des messages un peu de félicitations de quelqu'un comme André Adamo, quand on se bat tout un week-end face à Andreas Mikkelsen, Craig Breen, comme l'a dit Eric, voilà, c'est... Est-ce qu'on a l'impression de passer un petit peu dans une nouvelle sphère? Enfin, on parlait tout à l'heure de l'évolution au niveau de la performance, mais même après, tout ce qui vous entoure, est-ce que vous vous rendez compte ou est-ce que vous restez focus sur l'objectif déjà de cette année et de toujours progresser?
Bah, pour être honnête, on a fait un super bon rallye. On termine ici deuxième, mais Mikkelsen et Brin, qui étaient devant, avaient encore pas mal de créé un gros écart, je vais dire, par rapport à nous. Donc voilà, c'est sûr que c'est bien, mais le chemin est encore très très long. C'est sûr, ça fait plaisir à entendre, mais voilà, faut encore travailler. Ça nous montre qu'on est dans la bonne voie, mais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Ok. Bah merci. Okay. Merci. Bon, en tout cas, nous, bah... on vous suit en France, hein, et bah voilà, c'est déjà vous êtes fort sympathique et fort rapide. On dit comme ça en Belgique, fort, hein, je crois. Donc, on continue de suivre votre évolution, et puis on n'hésitera pas à vous réinviter. Bon, si vous finissez à chaque fois devant Yoann Bonato, au bout d'un moment, politiquement, ça va être compliqué pour nous en France, mais écoute, on fera le point après les Canaries, et du coup, Adrien, si tu les rejoins, rendez-vous tous les quatre le mardi. On vous le souhaite. Venir nous rejoindre le mardi après les Canaries, ça sera bon signe et signe de bons résultats. Ok, bon, merci beaucoup à tous les quatre. On vous donne rendez-vous à bientôt et puis rendez-vous aux Canaries pour le coup. Alors. Ça marche. Bonne soirée à tous. Allez, bonne soirée. Allez, on va enchaîner avec l'invité qu'on voulait avoir face à nous. Et il est tout seul. Hein, on a décidé, alors c'est pas une garde à vue, hein, Cédric, tu peux te rassurer. Hein, c'est pas parce qu'on est deux en face de toi que tu vas vivre un mauvais moment, mais la marque Fabrique Maison, donc Bob, on sait tous son surnom. Salut Cédric. Salut Cédric. Salut les gars. Bon, écoute, ça nous fait plaisir. Alors, on voulait évoquer avec toi, j'ai envie de dire, l'année dernière, quand l'annonce officielle avait été faite de cette création du championnat de France de roues motrices, que tu étais probablement l'un des plus heureux. Tu trouvais ça... plutôt juste de créer un championnat pour les deux roues motrices. Oui, parce que c'est important. Il y a deux catégories de voitures, les quatre roues et les deux roues. Donc que les quatre roues, enfin qu'il y ait un championnat complet, c'est bien pour tout le monde. Mais après un championnat de deux roues, on se bat depuis des années avec Manu pour essayer d'avoir un championnat de deux roues. Et là, on l'a eu. Je pense que ça fait un beau championnat malgré tout. On a fait que trois épreuves, mais il y a eu de l'attrait pour le championnat. On a vu dès le rallye du Mont-Blanc beaucoup, beaucoup d'engagés sur le championnat, 8 alpines. Non, je pense que c'est important et ça fait une catégorie de plus à relever. Les médias ont joué le jeu. Moi, je trouve que c'est bien. Est-ce que ça incite aussi un petit peu à aller taquiner les constructeurs là, pour revenir un peu avec des voitures un petit peu officielles? Forcément, on a été en discussion à l'intersaison avec certains constructeurs, dont je dirais le nom, mais c'est vrai que c'est une des premières fois où vraiment ils se rapprochaient de nous. Donc on voyait bien que ça les intéressait. On a un manufacturier de pneumatiques qui était impliqué aussi dedans, qui est Michelin, on va pas le cacher, ah ouais. qui bien sûr était au devant de la scène. Il voulait faire les choses bien aussi, donc. Non, je pense que c'est vraiment pour tout le monde. Et puis, je peux vous dire que je ne sais pas si c'est le fait du championnat de roues motrices ou si c'est le fait de l'Alpine, mais il y a eu un attrait. On a des structures telles que Yako qui sont rapprochées de nous. On a pu trouver un super partenariat qui, j'espère, va durer dans le temps. On a également Alpine Valence qui a été avec nous. Là, on a un joli projet avec ces gens-là pour faire rallye Monte Carlo. Donc voilà, ça c'est tout. C'est vraiment la cause du championnat de roues. S'il n'y avait pas eu de championnat de roues, je pense que mon ami et préparateur Alain Bonneton du team Bonneton HDG Yako n'aurait pas acheté une auto, ne serait pas impliqué peut-être autant que ça dans le championnat. Voilà, donc le fait que maintenant il y a un vrai type de champion, eh ben, ça pousse des gens à aider et que ça soit des jeunes ou des moins jeunes comme nous. On est là, on est encore là, on a de belles autos et je peux vous garantir que c'est pour nous vraiment très bien. Tu fais bien de l'évoquer parce que avec, Manu et toi, bon évidemment, vous êtes les dinosaures, hein, on en parlera un peu plus tard, mais ça incite peut-être aussi les jeunes à de suite pouvoir se mesurer à des gars d'expérience comme vous et puis ça les fera progresser de belles manières. C'est clair, je me rappelle l'année passée, par exemple, on a fait une belle bataille avec Franceschi, le jeune Mathieu. Ouais, à l'arrivée du rallye, il m'a dit « Waouh, ça m'a vraiment poussé dans mes derniers retranchements. »
Et c'est ce qui est bien. Et je peux vous garantir que même moi, bon, je ne suis pas vieux, j'ai 47 ans, mais j'ai beaucoup d'expérience, on va dire. Mais de pouvoir lutter encore avec les jeunes, c'est du pur bonheur. Bah vous aussi, ouais, voilà, ça vous motive et ça vous surmotive, quoi. Oui, c'est ça, ça nous pousse en avant. Je peux vous garantir, je vis des moments fabuleux. J'ai une petite anecdote, par exemple, on a fait le rallye du Mont-Blanc et on a pris une belle branlée, comme on dit, hein, dans le jargon. Et le week-end d'après, donc toute la semaine, on s'est entretenu avec Alain et on a dit peut-être qu'on trouve des solutions, on a essayé de rouler un petit peu. On est arrivé à trouver des solutions. Lui, il a passé, je me serais cru, dans Jour de Tonnerre. Il a passé 2 jours à peaufiner la voiture. Il a parlé à la voiture. Et quand on a fait la séance d'essai juste avant le Cœur de France, la voiture était configurée. Donc vraiment, on est obligé d'aller au fond des choses, comme un constructeur peut le faire pour une voiture. On est obligé de rouler, on est obligé de s'impliquer à 100% pour être au top et pour être devant, quoi. Donc cette année, malheureusement, on n'a pas été devant, si ce n'est au Cœur de France où on a fait des très bons temps. Ouais. Mais je pense que ça aurait vraiment, dans les rallyes, s'il y avait eu 9 manches, ça allait être une bagarre tous les instants avec Manu, comme ça a été le cas depuis 20 ans. Hein. Ouais. Bon, moi, je bois les paroles de Cédric comme à chaque fois, c'est hyper intéressant. Moi, je vais pas être hyper sympa, je suis l'homme des chiffres. Et du coup, Cédric, tu me contredis si je dis une bêtise, mais l'année prochaine, ça sera ta 30e saison au volant. Moi, ma question, c'est de savoir où est-ce que tu trouves encore cette hargne, cet esprit de compétition. On te sent tous les ans, on te sent encore plus remonté que jamais pour gagner, toujours faire plus. Où est-ce que tu trouves cet esprit-là de toujours de compétiteur? Ah, je sais pas, c'est ma passion. Après, ma passion. T'as peut-être commencé les rallyes à 1 an et du coup, t'es pas si vieux. Hein. C'est peut-être ça, ouais. C'est peut-être ça. Non, mais c'est vrai que j'ai commencé les rallyes à 16 ans. Donc, ça doit être ma 33e année de licence. Donc, ouais, ouais, je crois que c'est ça. Non, c'est la passion du pilotage, la passion d'être entouré des gens que j'aime. Moi, je prends par exemple le team. C'est que des copains. On est tous des potes. Ils prennent des vacances pour venir m'aider sur les rallyes, pour venir aider le team. Y en a un qui met l'essence, l'autre qui met. Enfin, tout le monde a sa place. Et c'est vraiment ça. Quand on gagne, c'est une fête après le rallye. Souvent, on finit à jouer à la pétanque. D'ailleurs, on devrait être sponsorisé par Obut parce que on fait des parties de pétanque autant de spéciales sur les rallyes. Donc, et c'est tout ça qui fait que donc j'ai les à côté du rallye qui me plaisent parce que tout le monde sait que je suis un bon vivant. Et dans la voiture, je me fais tellement plaisir que c'est l'amour du pilotage. Souvent, il y a des gens qui ont roulé en WRC et ils sont jamais redescendus. En Super 1600, en S2000. Moi, j'ai pas eu peur à une époque, et Simon l'a fait comme moi, Simon Jean-Joseph. Quand on est retourné, on a fait du WRC, on est repassé en Super 1600, en S2000. Quelquefois, c'est pas simple. Je peux vous garantir que les montées, on les trouve longues. Mais c'est la passion du pilotage, d'aller freiner tard, d'être devant les autres. C'est vraiment la compétition, quoi, qui me pousse. Et puis c'est plein de gens. Moi, j'ai tous mes potes là-dedans. Donc c'est génial. Et puis la complicité avec Mathieu, avec Gérald, avec qui j'ai roulé, je peux vous garantir que là, on ne se voit plus depuis quelques temps avec Mathieu. On est malheureux, on s'appelle régulièrement, mais c'est toutes ces choses-là qui font que j'ai envie de rouler. Et si ça peut durer encore 30 ans, moi, je signe. Nous aussi, on signe. Et moi, j'allais rebondir. Sur Mathieu, parce qu'on t'a eu souvent ici. C'est vrai qu'on n'a pas forcément abordé le sujet, mais on vous voit à travers les réseaux sociaux, on vous voit sur les rallyes. Voilà, vous êtes toujours il y a toujours un moment pour la déconne, mais comment vous arrivez à être aussi concentré, hargneux au volant, enfin dans l'habitacle pour aller chercher des temps et de savoir faire la part des choses? On rappelle que tu es monté au plus haut sommet de ce qui se fait en étant officiel en WRC à l'époque avec Peugeot. Là maintenant, voilà, comme tu le dis, c'est l'ambiance presque qui prime, l'envie de bien performer est toujours la même en fait. Et comment avec Mathieu vous arrivez à faire la part des choses là? Je pense que vous déconnez jusqu'à, je sais pas, jusqu'à 3 secondes de la ligne de départ et dès la ligne d'arrivée passée, vous êtes capable de déconner en fait. Ouais, c'est exactement ça. En fait, est-ce que c'est un moyen pour nous enlever la pression? Je sais pas, mais en tout cas, nous, on se marre. On est là pour se marrer. J'ai un pote qui dit souvent, la vie, c'est une grande connerie. Donc, il faut la vivre pleinement. Donc, voilà, on se marre, on fait les choses correctement parce que c'est un sport, c'est dangereux quand même.
Donc, on a des gens autour de nous, il faut qu'on fasse attention à nous. Mais par contre, on peut faire les choses correctement, professionnellement, mais par contre, à un moment donné, de faire un peu les imbéciles, ça détend. Et voilà, et c'est comme ça que nous, on le prend. Et puis, Mathieu, c'est un mec, c'est un gagnant. Moi, je l'ai vu, mais pleurer de nerfs tellement, parce qu'on était à la bagarre. Et ça, bah, moi, ça me... Et Mathieu est plus jeune que moi, je le prends un peu comme mon fils, et quand je le vois dans cet état-là, je me dis, il faut que je lui fasse plaisir. Et lui, des fois, il dit, ah, le papy, il est encore là, tu vois, je le sens comme ça. Et c'est tout ça qui fait qu'on a envie de bien faire et puis de faire plaisir aux autres, parce qu'on n'est pas tout seul, il y a toute une équipe derrière nous. Et c'est vraiment ça qui fait qu'on a encore la hargne. Et puis, quelquefois, ma femme, elle me dit, mais oublie pas quand même que le rallye, bah, c'est ton loisir. Et moi, je lui dis non, je ne le prends pas comme un loisir, je le prends comme presque comme. C'est une façon d'être, c'est ma vie. Donc, je pense que même. C'était une famille avant que tu crées la tienne, là, finalement. Oui, un petit peu, oui, complètement. Mais j'ai toujours pris ça avec une approche assez professionnelle pour pas qu'il m'arrive quelque chose, je pense. C'est comme ça que je le vois. Et moi, quand je pars reconnaître, bon, bien sûr, on a les côtés festifs et tout, mais je me concentre énormément, et même ça soit peut-être pas, mais j'essaye d'être dans ma bulle, j'essaye de faire les choses correctement, et je peux vous garantir que quand ça va pas comme je veux, alors je le fais pas trop voir, mais je peux vous garantir que quand je rentre à la maison, des fois, c'est pas simple, je suis assez bougon, comme on dit, donc bon, mais voilà, il y a des gens à côté de moi. On te rassure, on le voit, ça fait peut-être, Eric, ça fait 15-20 ans qu'il fait les points stop, moi, pas loin, et t'inquiète pas, je pense qu'à ta tête, on commence à te connaître, on voit quand ça va pas. Hein. Ouais, c'est clair. Heureusement. Alors moi, j'ai encore une question, ben justement, après, alors peut-être deux questions, allez, très rapidement, après 30 ans, justement, de rallye, est-ce que tu penses que tu peux encore progresser dans le pilotage, ou est-ce que tu en as fait le tour, en fait. Évidemment, il faut s'adapter aux nouvelles voitures, ça, c'est une évidence, ouais. Mais le pilotage... Oui, on progresse tout le temps. On a toujours des situations qu'on n'a pas rencontrées dans le passé. Là, je freinais du pied gauche depuis 2003, ouais. Et depuis le Cœur de France, je me suis mis à freiner du pied droit. Vous voyez, donc ça faisait ouais, 17 ans que je n'avais pas freiné du pied droit, je peux vous garantir. Puis l'alpine, propulsion, freiner du pied droit, c'est mieux. Quand on tient le frein à main, il faut débrayer. Enfin, voilà. Alors au début, j'ai fait un rallye du pied gauche et j'ai vu que ce n'était pas forcément fait pour ça. Même malgré tout, il y en a qui y arrivent, mais je pense qu'avec l'alpine, je suis plus à l'aise avec le pied droit, donc je me suis mis au pied droit. Et ça, on redécouvre d'autres choses. Parce qu'on a progressé depuis 17 ans, et puis parce que, voilà, et je pense dans le pilotage, les voitures changent tellement que on découvre un peu. Ouais. Ok. Et bon, alors ma dernière question sera la dernière. Alors, toujours encore sur ces 30 ans de carrière, quel est celui qui t'a donné le plus de fil à retordre? Alors, j'ai l'impression que je connais la réponse, mais évidemment, on met Mathieu Duval de côté. Hein. Mais quel est le pilote qui t'a vraiment donné le plus de fil à retordre? Mathieu Duval. Non, non, bon, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a toujours un jeune qui est venu pour nous emmerder, comme on dit. Non, j'en citerai vraiment deux avec qui. Parce que moi, dans les années 2000, ça a été Simon, avec qui on s'est battu régulièrement à coups de dixième, de seconde. Ça a été un truc de fou. Et puis Manu, bien évidemment, depuis 10 ans, voire 15. On se retrouve souvent avec les mêmes caisses et on fait des bastons, hein, des trucs de fou. Donc, c'est vraiment ces deux pilotes avec qui on s'est bien bastonné, oui. Ouais. Et alors, j'en termine là. On va parler dans une prochaine émission, on va te réinviter d'une fameuse baston, c'est celle avec Freddy Louax et Brian Bouffier. Je pense que tu te souviens très bien de cette année 207S2000. Ouais. Bah là, je m'en souviens très bien. Alors, sur la route, mais en dehors de la route, parce que je peux vous garantir que Freddy est quelqu'un que j'apprécie pour mille choses, mais je peux vous garantir qu'on a fait des après-rallye ou des cours de rallye. Bon, c'est quelqu'un de sérieux, hein. Faut toujours dire que c'est quelqu'un de sérieux, mais quelquefois, il l'est moins. Mais bon, je n'ai pas de preuves, donc peut-être que je sortirai une fois là. Mais en tout cas, ouais, c'est un mec en or. Et si on pouvait se refaire des bassons ensemble, ça serait bien. Ouais, on va tout faire pour vous réunir tous les trois avec Brian et reparler de cette saison-là, parce que bon, moi, c'est un grand souvenir, tu vois, de ces 15 dernières années, c'est vraiment une belle année.
C'est en clair. Fait, peu importe les époques, il y a toujours Cédric Robert quelque part. Hein. De toute façon, on parle du WRC, des 1000, des Super 1600, des R3, des. Ah, bah, du groupe B. On part. Il y a les groupes B et ensuite il y a Cédric Robert. Voilà, c'est ça. C'est les deux, alors, époques au rallye. Les groupes B, j'ai conduit une 205 Turbo 16. Je peux vous garantir que c'est quelque chose de rare. Mais ça, on en parlera une autre fois, parce que sinon, on est parti jusqu'à 2 heures. Et comme là, vous voyez, je m'appelle Bob, mais si vous regardez bien, sur le Bob, ce qui est marqué, c'est l'heure. Ça va être l'heure. C'est l'heure. OK. Une R5, tu en as piloté une déjà, en essai ou sur invitation, une R5 J'ai fait 2-3 rallyes. La R5, j'ai roulé avec 208, la 208. Contre Johan, bon, j'avais fait que 3 spéciales. Et puis après, j'ai piloté 2 ou 3 fois des Ford. J'ai gagné un ou 2 rallyes avec une Ford de chez MCB à l'époque. Voilà, et c'est. C'est des belles autos. Allez, merci Cédric. Merci pour ta passion. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est top comme à chaque fois. Bonne soirée. Apéro, et puis à la prochaine. Ça marche. Salut. Allez, on enchaîne avec un autre invité qu'on a décidé d'inviter tout seul. Alors, on va attendre qu'il apparaisse à l'écran. Alors, JB, si tu nous entends, il faut juste que tu actives ta caméra et que tu enlèves ton micro. Il est là. Il est avec nous. Je suis là. Donc, salut JB. Ben, écoute, on a souhaité t'inviter parce qu'on crée une nouvelle rubrique. On essaye d'innover tout le temps, évidemment. Il faudrait éviter que les émissions se ressemblent. Et en fait, on veut évoquer déjà, parce que c'est déjà 2021, hein, on est à 2 mois. Mais forcément, depuis la semaine dernière, on sait que le championnat de France des rallyes terre et asphalte sont définitivement terminés. Donc, il faut évoquer déjà la suite. Alors, déjà, dis-nous vite fait comment tu vas. Et dis-nous un petit peu comment ça se passe avec cette dotation que tu as remportée l'année dernière. Normalement, les 9 manches du championnat, tu n'en as fait que 3. Dis-nous-en un petit peu plus. Est-ce que tu essayes de négocier? En fait, on veut un peu savoir ce qui se passe dans les coulisses maintenant. Et puis, tu n'as pas le choix. Hein, tu es obligé de répondre. ça va, mais vous m'entendez bien là? Ouais, super. Parfait. OK. Déjà, merci pour l'invitation. C'est vrai que j'ai l'impression que ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. Cœur de France. On s'est vu une fois au Touquet, 6 mois d'arrêt, Mont Blanc, Cœur de France, tout s'est enchaîné, puis plus rien. C'est vrai que c'est une année un peu particulière, moi je dirais frustrante, parce que quand même on avait un programme de base qui était un programme de rêve. Mmh. Et à l'heure actuelle, honnêtement, on ne sait pas vraiment de quoi sera fait 2021. On est en discussion quasi toutes les semaines avec Citroën pour savoir comment ça avance. Alors, est-ce que tu essayes de savoir déjà si les rallyes que tu devais faire vont être remplacés ou alors on ne parle pas de dédommagement, mais est-ce que c'est des sujets qui sont évoqués en ce moment? Ah, forcément, c'est le sujet premier à l'heure actuelle. Pour l'instant, la réponse, c'est un petit peu un non, parce que ce qui s'est passé cette année, c'est exceptionnel. Donc, c'est des budgets qui n'existent plus, on va dire. Okay. Et du coup, il n'y aura pas, comme tu dis, de dédommagement particulier de cette saison à l'année prochaine. Pour l'instant, c'est le sujet. L'idée, ce serait d'essayer d'avoir un support de la part de Citroën l'année prochaine. On ne sait pas exactement dans quel championnat, mais on a envie de rester dans cette optique-là. Parce qu'au final, notre expérience en R5, elle est quand même... elle est faible, on va dire, parce qu'au final, on a fait que 3 courses, avec beaucoup d'espace entre chacune. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on devait redécouvrir la caisse, redécouvrir un peu tout, puis des rallyes nouveaux, puis des terrains un peu inconnus. Donc c'est sûr que ça fait beaucoup de facteurs, et au final, on a l'impression de... Bon, on a évolué, ça c'est clair, mais on a l'impression d'avoir un petit peu stagné, quoi. Est-ce qu'il a été question d'aller rouler un petit peu ailleurs? On a, juste avant toi, 2 plateaux avant toi, il y avait Adrien Fourbeau qui a presque fait sa plus grosse saison. Il en est à son 13e rallye. Johan Bonato est allé rouler ailleurs. Il y en a qui ont réussi à monter des programmes. Alors toi, on sait que c'est différent. Tu as un contrat avec Citroën. Mais est-ce qu'il a été question avant la fin de l'année là, d'aller faire une course en ERC ou sur un Il reste les Canaries, en fait. Hein. Est-ce que tu seras aux Canaries? Justement, j'ai une discussion pour les Canaries. C'est un peu compliqué. J'espère que je vais avoir la réponse bientôt. Ça serait top parce que j'ai vu que Johan et Adrien le faisaient. Donc, c'est clair que ça pourrait être une bonne nouvelle. Pour l'instant, c'est compliqué. En plus, je crois que les engagements se clôturent demain. Oui, c'est ça. Il me reste un peu de temps, mais... En plus, un rallye que tu as fait l'an dernier. En plus, ça serait tu n'arriverais pas sur un terrain inconnu.
C'est ça, c'est un rallye qui nous a souri. En plus, on l'avait fait avec M-Sport en ERC Junior. On avait gagné en plus. Donc, c'est clair que c'est un rallye en plus magnifique. C'est clair que ça serait top. J'ai la réponse ce soir ou demain. Donc, si les gens de chez PSA Motorsport, Citroën Racing, Didier Clément nous regardent, vas-y, on leur donne un message. Ton téléphone reste bien ouvert ce soir. Hein. Ouais. Ouais. Vas-y, pardon. Non, et tu voudrais faire quoi, toi, 2021? Voilà, donc la question, elle est là. Est-ce que l'ERC, puisque tu y as déjà goûté aussi, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Plutôt refaire une année complète en championnat de France? Qu'est-ce que, là, ton ressenti, qu'est-ce que tu préférerais? Si tu préfères l'un des deux, ou voir le mondial, hein, évidemment, il y a le WRC3 aussi. Ben, on a beaucoup pensé, honnêtement, à aller essayer de faire monter un programme en championnat du monde. Et puis, on se dit qu'au final, l'année n'a pas été vraiment comme on voulait. Donc, il nous manque quand même une belle expérience pour essayer d'aller là-bas sans se planter, quoi, parce que quand même, le championnat du monde, c'est l'élite du rallye. Donc, on n'a pas envie de gâcher une année qui coûte quand même énormément d'argent. Trois fois plus cher qu'un championnat de France. Hein. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, on sait ce que ça représente et un championnat de France à côté de ça pourrait nous permettre d'évoluer encore et encore. Le niveau est fou chaque année, donc c'est clair que dans l'idée ce serait ça, d'essayer de refaire une année en championnat de France pour quand même peaufiner tout. En plus on connaît la caisse, ça serait vraiment le top, quoi. Ok, alors on sait aussi que bon, dans 15 jours, ça va officialiser, enfin, la Fédération française va officialiser les titres. Tu devrais avoir ce titre de champion de France Terre. Alors, on l'a déjà évoqué, ce n'est pas un titre au rabais, hein, personne n'y peut rien, les annulations, tout le monde avait envie de rouler, mais un petit sentiment aussi d'avoir réussi tes deux épreuves, Terre. Ben ouais, très, très content. Au final, ça, c'est un programme qui s'est monté grâce au Covid, donc on peut se consoler là-dessus. Ouais. Parce qu'au final, le championnat de France Terre ne faisait que 4 courses de base, et c'est grâce à ça qu'on a réussi à monter ce programme. Et c'est clair que c'est au final peut-être la plus belle chose qu'on ait eue cette année. Je pense notamment au Terre de Lozère, la perf qu'on a réussi à faire, ça a été important, je pense, cette année. Et puis en plus, si on arrive à avoir le titre à la fin, c'est top. Malgré que, oui, comme tu dis, c'est que 2 courses, mais c'est quand même un titre. Ouais. Moi, j'avais une question. Comme tu l'as dit, le niveau en championnat de France asphalte est très élevé. Tu n'as pas eu le temps pour t'exprimer, en fait. Les rallyes étaient, comme tu l'as dit, très espacés. Le Touquet, tu ne l'avais jamais fait. Le Mont-Blanc non plus. Enfin, ce n'était pas les rallyes sur lesquels tu pouvais... Enfin, c'était quand même difficile de jouer devant. A contrario, sur la Terre, c'est pareil. Tu découvrais le pilotage de la 4 roues sur la Terre et tu as tout de suite été devant, où il y a un bon niveau, enfin, un très bon niveau sur la Terre aussi. Comment tu pourrais expliquer... Je ne vais pas forcément dire une meilleure adaptation à la C3 sur la Terre, mais comment tu peux expliquer cette petite différence de performance? Parce qu'il n'y a pas eu plus de roulage sur la Terre que sur l'asphalte. Ben, c'est vrai que c'est une bonne question. En fait, jusqu'à maintenant, en R2, je n'arrivais pas à dire si je préférais une surface à la Terre ou l'asphalte. Et puis là, en découvrant la C3 sur la Terre, j'ai réussi à, je ne sais pas, dans ma tête, j'ai passé un petit cap de me dire que le plaisir il était tellement énorme avec la 4 roues sur la Terre. Qu'au Terre de Lozère, par exemple, on s'est lâché d'entrée, mais c'était juste, ça se faisait tout seul, quoi. C'était énorme. Et on a réussi à passer des caps pendant le rallye, plus grâce à la présence d'Adrien. Et au final, je pense que l'adaptation et la prise de risque sur Terre me plaît plus que sur asphalte, je pense. Surtout avec ces voitures. Je pense que j'ai un petit début de réponse, hein, mais je pense que d'autres te l'ont dit et sont des spécialistes, mais tu as un style de pilotage qui est vraiment particulier. Enfin, en tout cas, moi, il me marque sur l'asphalte, tu es souvent en glisse, en fait. Est-ce que c'est quelque chose dont tu parles avec tes ingénieurs ou quand vous analysez les courses? Tu as une conduite un peu à la genre Agnotti, quoi. Et est-ce que finalement, sur l'asphalte, est-ce que ça te manque pas, est-ce que ça te prive pas des derniers dixièmes au kilomètre, cette conduite hyper spectaculaire, hyper plaisante, c'est-à-dire qu'on peut regarder une vidéo best-of d'un rallye, il y aura 12 passages de Jean-Baptiste Franceschi, et il y aura 0 de Johan Bonato, parce que jamais il glisse, d'ailleurs je ne sais même pas s'il sait qu'il y a un frein à main à côté de lui, mais du coup, est-ce que vous en avez parlé, est-ce que c'est un sujet forcément de te dire que ton pilotage est plus adapté à la terre qu'à l'asphalte pour l'instant, avec la 4 roues je parle. Mais ouais, comme tu dis, ça devient un problème sur asphalte, parce que du coup c'est des voitures qui sont faites pour ne pas glisser, pour être efficaces. Et j'ai ce style de pilotage qui me plaît, qui me donne du plaisir et qu'il faut que j'arrive à me passer. C'était de mieux en mieux au fur et à mesure des courses.
Mais c'est vrai que c'est un... même les ingés, mon copilote, tout le monde me le dit. Il faudrait le calmer. On sait que tu sais glisser. Voilà. Sur la terre, c'est bien, mais sur l'asphalte, faut pas le faire, quoi. Donc, tu dis que tu t'es calmé. On ne montrera pas la photo qui est juste à côté de toi, qui est du dernier rallye au Cœur de France, où tu vas encore chercher une corde. Hein. Bien sûr. Et ouais, celle-là, il n'y avait pas le choix. Ouais, bah forcément, bah ce feeling sur la terre qui te plaît beaucoup plus, parce que là aussi, on sait que le championnat du monde, ça démarre souvent bon, en Suède, c'est une chose, mais surtout Portugal et Sardaigne. Donc, ça peut être une option pour démarrer une saison, histoire de voir un petit peu au niveau mondial ce que ça peut donner. Ah oui, non, mais clairement, à l'heure actuelle, comme je dis, on n'a vraiment rien de défini. Et comme tu dis, Portugal, Sardaigne, c'est des rallyes que j'ai fait en plus l'année où je faisais le junior ouais. WRC. C'est des rallyes que j'apprécie et en plus que je peux travailler parce que j'ai toutes les vidéos, j'ai tout ce qu'il faut. C'est vrai que c'est des rallyes sur lesquels, comme tu dis, on pourrait essayer de faire une pige pour voir ce que ça donne. Et en plus, ça pourrait être très intéressant, quoi. Ok. Est-ce que tu as... Alors, qui sont tes interlocuteurs, là? C'est Didier Clément et puis j'imagine que Bernard Piala est aussi dans les tractations et les négociations. Je pense que c'est les deux bonnes personnes pour essayer de poursuivre l'aventure Citroën. C'est ça, exactement. Didier Clément en très grande partie, le boss, et après Bernard Piala. Et ensuite, un peu des gens autour pour essayer de monter des trucs pour que ça soit plus simple pour tout le monde. Et puis voilà, c'est comme on sait ce que c'est, essayer de monter des programmes comme ça, c'est tellement des budgets conséquents qu'il faut essayer de trouver des solutions de partout. Et en tout cas, avec mon copilote, on essaye de rien lâcher et on espère se retrouver très vite. Ok. Bon, bah, très bien. Ben, merci beaucoup JB d'avoir répondu merci. À l'invitation. Alors on va essayer chaque semaine d'avoir un jeune comme toi et essayer de voir un petit peu comment se dessine l'avenir. C'est pas impossible que ton frère vienne faire une petite visite aussi d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci JB. Et si tu joues à Dirt ce soir, tu glisses pas. Tu commences dès ce soir en fait. Hein. Ouais. À la salle, tu glisses pas. L'objectif c'est pas de glisser. Ça marche. Okay. Mais là, justement, je joue à la F1 en ce moment, donc là, je glisse beaucoup moins. Ok, merci beaucoup. Allez. À toi. Bonne soirée. Ciao, ciao. Et on va enchaîner avec le prochain plateau. Eric, ça s'enchaîne. On n'a même pas le temps de respirer. On va enchaîner avec Cédric Mazinck, qui est là. Et voilà, Cédric, qu'on a l'habitude de retrouver tous les mardis. Tous les mardis, alors, 19h30. Il échappe au dîner des enfants, je pense, grâce à nous. Donc, tu peux déjà nous dire merci, Cédric, pour commencer. Bonjour et merci du coup. Alors, merci, bon, Cédric, on ne sait pas qu'on ait fait le tour de toute la technique, hein, parce qu'il y a tellement, tellement de sujets à aborder. Mais on a voulu être un peu plus général ou généraliste ce soir en parlant tout simplement de ton boulot pour commencer et puis surtout les études qu'il faut faire pour en arriver jusque-là. Est-ce qu'il y a une vraie voie à tracer? Alors, il y a plusieurs voies. Effectivement, la base, c'est d'avoir une formation d'ingénieur. Il existe... pas mal d'écoles d'ingénieurs en France qui forment à l'ingénierie de la mécanique. Après, il est certain que pour travailler dans le sport automobile, certaines écoles sont plus appropriées que d'autres. En fait, on a quand même tendance à avoir la majorité des ingénieurs du sport auto qui sont fournis par deux écoles. Une première école qui est l'ISAT, l'Institut supérieur de l'automobile et des transports, qui se situe dans la Nièvre, à Nevers, pas loin du circuit de Magny-Cours, okay. Qui est une école publique, qui est une école d'ingénieurs sous 5 ans avec une prépa intégrée. Et la seconde école qui est réputée également, un peu plus ancienne mais privée, c'est l'Estaca, qui est une école qui est à Levallois-Perret, enfin, qui maintenant a déménagé à Saint-Quentin-Yvelines, mais qui a deux sites, une à Laval et un site à Laval et un site en région parisienne. Voilà, je pense que ces deux écoles-là, de par leur formation et également ce qui est très important dans une école d'ingénieur, c'est aussi les anciens élèves et tout le réseau qui est autour de l'école. Aujourd'hui, ces deux écoles sont les deux plus gros pourvoyeurs d'ingénieurs pour le sport automobile. L'ISAT de plus en plus, parce que l'ISAT a adhéré il y a quelques années, enfin il y a maintenant une bonne dizaine d'années, à ce qu'on appelle la Formula Student, qui est quelque chose qui est organisé par la SAE, qui est l'association des ingénieurs en fait,
et qui est une formidable initiation au métier d'ingénieur, qui est un pied à l'étrier fantastique. Donc les élèves qui ont la chance de participer à ce programme-là de Formula Student ont la chance de, en fait, à petite échelle de commencer à acquérir toutes les compétences et tous les réflexes qui leur serviront dans leur vie de futur ingénieur d'exploitation. Donc okay. Voilà ces deux écoles. Après, il y a d'autres écoles un petit peu plus dans de la spécialisation, c'est-à-dire une fois qu'on est ingénieur, il y a des écoles type Cranfield, qui est une université en Angleterre qui permet de faire une formation spécifique motorsport. On a un peu l'équivalent en France avec l'école de la performance à Nogaro, qui permet aussi, après un cursus d'ingénieur, d'aller un peu plus loin sur certains aspects techniques pour encore s'aguerrir et muscler un peu les compétences. Mais voilà, bon, le plus important, c'est ça, plus évidemment les stages. Parce que les stages, c'est ce qui fait... Parce que votre métier, c'est beaucoup de théorie à la base. Au début, c'est énormément de théorie, mais il faut la mettre en pratique à un moment ou à un autre. Exactement. En fait, il est nécessaire et obligatoire d'avoir un vrai bon bagage technique d'ingénieur. En fait, être ingénieur, ça ne veut pas dire grand-chose. Être ingénieur, ça veut dire avoir appris à penser et à réfléchir correctement et de manière structurée. Après, on accumule des connaissances dans plusieurs domaines, moteur, châssis, aérodynamique, mécanique des fluides, etc. En fait, c'est des choses qu'on acquiert au fil du cursus scolaire. Mais ce qui fait la différence après, c'est justement se reconnecter à la pratique et au terrain. Et pour ça, le meilleur conseil que je peux donner à tous les gens qui veulent faire mon métier ou le métier d'ingénieur d'exploitation, c'est de chercher des stages en fait qui soient connectés à ce milieu-là. Parce qu'en fait, le milieu du motorsport est quand même un milieu très petit. Au final, tout le monde se croise, se connaît. Il faut faire ses gammes, il faut faire ses preuves. Et pour ça, il n'y a rien de mieux sur un CV qu'un stage dans une entreprise qui est acteur du sport auto. Essayer de se rendre indispensable dans ces stages-là, essayer d'être curieux, investi. Et c'est ça qui fera la différence à la fin. Et tu penses que c'est un conseil mais, enfin, que tu pourrais donner, mais est-ce que pour un premier stage, il y a des élèves ingénieurs qui nous regardent, est-ce que c'est plus intéressant de commencer par un constructeur, alors faut-il encore le décrocher, ou d'aller dans une équipe privée? Je pense que le niveau d'information n'est pas le même, le travail n'est pas forcément le même, mais qu'est-ce que tu conseillerais pour débuter, entre guillemets? Dans l'absolu, il faut faire les deux. En fait, dans l'absolu, pour avoir vraiment une vision complète, il faudrait être capable d'aller justement dans un petit team qui va développer beaucoup plus la polyvalence et l'initiative, parce qu'on a, quand on est dans un petit team, on s'occupe de tout, quoi. On est ingénieur, mais on est également mécanicien, on est également logisticien, on est également mécanicien sur les assistances. En fait, on s'occupe de tout. Donc ça, c'est très formateur. À côté, d'aller dans un gros team et une structure très, très cadrée avec beaucoup de moyens, ça permet de mettre en œuvre des compétences techniques beaucoup plus fortes et d'aller beaucoup plus dans le détail. Donc, en fait, quand on arrive à cumuler les deux et également une expérience à l'étranger, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas imaginer qu'on puisse faire ingénieur d'exploitation à haut niveau sans avoir une maîtrise parfaite de l'anglais, au moins de l'anglais. Donc, en fait, quand on arrive à le cursus parfait, en fait, le mode d'emploi parfait d'un ingénieur qui veut faire du sport automobile, c'est d'avoir fait un stage à l'étranger, c'est d'avoir fait un stage dans un gros team type manufactureur et dans un petit team pour apprendre un peu la débrouille, le système D. Et après, quand on a fait la synthèse de tout ça, je pense qu'on a des bonnes armes pour arriver à ses fins. Ok. Merci, okay. C'était alors, bien précis. Merci. On avait une question, toujours une question par rapport à l'ingénierie. Est-ce que il vous arrive d'intervenir dans le développement de l'aéro d'une voiture? Alors, l'aérodynamique ou l'aérodynamisme, c'est effectivement un sujet qui est déjà plus adapté aux voitures de circuit. Aux voitures de rallye, même si la réglementation... On voit quand même, sur les nouvelles WRC, on voit quand même beaucoup d'ouvertures maintenant, à gauche, à droite. Elles ont toutes forcément un intérêt et puis un sens, mais voilà. Est-ce que c'est en lien avec les ingés? Est-ce que c'est vous qui pouvez apporter quelques idées dans ce domaine? Ouais, bon, tu as raison, la réglementation
WRC 2017 a fait une part, c'est une des grosses différences entre les précédentes générations de WRC et les nouvelles, c'est la partie aéro. Donc oui, effectivement, ça fait partie de la conception et c'est un sujet qui est abordé par les ingénieurs. Alors, comme tout, certains ingénieurs sont spécialistes de l'aérodynamique. L'aéro, c'est une science qui est complexe, au même titre que le châssis, la cinématique, au même titre que le moteur. Donc on peut avoir des ingénieurs motoristes qui soient spécialisés dans le moteur, on peut avoir des ingénieurs aérodynamiciens. Donc tous les teams n'ont pas ce genre de compétences en interne. Donc souvent pour faire de l'aérodynamique, on passe par de la consultation externe et on va chercher des spécialistes. Et après c'est un échange en fait comme une gestion de projet traditionnelle, c'est-à-dire qu'on établit un cahier des charges avec des besoins et le prestataire qui est spécialiste de l'aéro va nous donner des pistes ou des solutions. Alors l'aéro, il y a plusieurs sujets. Il y a la conception, le design, c'est-à-dire comment faire les pièces aérodynamiques. Il y a tout ce qui est études, pré-études qui utilisent la CFD, c'est-à-dire d'études de flux en fait sur ordinateur qui permet de dégrossir le travail avant de passer en soufflerie. Et ensuite, effectivement, le dernier sujet, c'est la soufflerie à échelle diverse. Hein. Généralement, pour des raisons de coût, on fait de la soufflerie avec des petites voitures ou des modèles réduits. Ah ouais. Si on peut souffler à l'échelle 1, c'est mieux, mais c'est qu'on est très riche. C'est pas toujours le cas et en rallye c'est quand même compliqué. Bon, en Formule 1, l'aéro c'est certainement le poste de dépense le plus important parce que en circuit l'aérodynamique fait quasi, allez, j'allais dire 60-70% de la performance de la voiture. Peut-être des spécialistes me corrigeraient sur ce chiffre-là, mais on n'est pas loin de ça. Donc l'aéro, donc effectivement, fait partie de ça. En fait, aujourd'hui, l'aéro c'est un sujet important, surtout en rallye, même sur les WRC, parce qu'on doit trouver un compromis idéal entre l'appui et la traînée. En fait, on est toujours l'aéro, c'est toujours la combinaison de ces deux sujets. C'est-à-dire, plus on met de downforce, plus on met d'appui, plus on va avoir de traînée aéro. Donc, en fait, on va limiter la pénétration dans l'air, donc la vitesse de pointe et également la vitesse pour obtenir cette vitesse de pointe. Et par contre, si on a une voiture très peu chargée, avec peu d'aéro, on va avoir une bonne pénétration dans l'air et une bonne vitesse de pointe, mais pas du tout d'appui en virage, et du coup, on va perdre la performance globale de la voiture. Donc en fait, il faut trouver, c'est ce qu'on appelle la finesse, c'est le ratio entre les deux, et il faut trouver l'optimal. Et effectivement, les ingénieurs, en amont du développement d'une voiture, utilisent les données, les datas des années précédentes pour faire des moyennes, pour définir en quelque sorte la carte d'identité parfaite de l'aéro d'une voiture. C'est-à-dire, si on a beaucoup de rallyes très sinueux, on n'aurait que des rallyes très sinueux, on privilégierait à fond la downforce et l'appui. On n'aurait que des rallyes très rapides, on privilégierait la vitesse de pointe, on chargerait moins en appui. Mais bon, il faut faire le compromis, donc c'est pour ça qu'on fait des études préalables pour étudier la moyenne de tout ça. En sachant que l'aéro sur une voiture de rallye est très particulier aussi par rapport à une voiture de F1, c'est qu'il faut intégrer un facteur qui est très important, c'est la dérive. Parce que une voiture de rallye, malheureusement, surtout sur la Terre, ça ne voudra pas échapper, elle se comporte rarement comme une voiture sur circuit, elle a beaucoup de dérives, on a de la mise dans le lacet, donc en fait, l'aéro va devoir être adapté à ça également, parce que les appendices aérodynamiques ne fonctionnent pas comme sur une voiture de circuit qui va être toujours toute droite et toujours dans l'axe du flux. Exactement. Et alors, vite fait pour finir avec l'aéro, l'aileron, alors pour tout le monde, c'est plus quelque chose d'esthétique ou pas, mais il a un vrai rôle, hein, l'aileron sur une voiture de rallye. Ah oui, non, c'est bien plus qu'esthétique, ça apporte un appui énorme sur le train arrière. Si on perd l'aileron, hein, c'est déjà arrivé en spécial à plusieurs personnes, hein, pour un choc contre un arbre ou quoi que ce soit, ça a deux impacts. C'est un impact déjà sur l'appui arrière pur de la voiture, hein, donc c'est-à-dire on perd entre 100 et 200 kilos en fonction de ce qu'est l'aileron. Donc les kilos, en fait, c'est l'appui, c'est la force verticale sur les pneus, ça s'appelle le FZ, qui fait toute la différence sur le grip au train en question. Et également, ça change la balance aéro, parce qu'une balance aérodynamique, c'est le pourcentage d'appui qu'on peut avoir à l'avant par rapport à l'arrière. Si on perd l'aileron, on n'a plus d'appui arrière, donc on n'a que de l'appui à l'avant. Donc on va avoir un arrière ultra léger, une voiture quasiment inconduisible à cause de ça. Donc l'aileron, c'est pas juste cosmétique et esthétique, ça a un vrai rôle sur l'appui et sur la stabilité du train arrière.
Bon, c'était super intéressant. Ouais, j'avais, en fait, c'est pas vraiment une dernière question, c'était pour confirmer les propos. Je suis tellement fier de pouvoir confirmer les propos de Cédric. Et je trouve qu'on a progressé du coup en 4 semaines, Eric. Mais non, mais j'ai vécu l'expérience avec Pierre-Louis Loubet au Rallye de Sardaigne, qui a perdu peut-être 10 ou 15% de l'aileron, et la voiture était totalement transfigurée. Et donc, tout ça pour rebondir sur le fait, on s'est fait 4 émissions, on parle de la technique, on a parlé des suspensions, des différentiels. Enfin, vous battez les ingénieurs, enfin, à trouver le meilleur réglage possible pour qu'il y ait le plus de confort possible dans la voiture. Et une petite touchette où on perd une ailette du pare-choc avant, un petit aileron arrière, la voiture elle est transfigurée. Et du coup, tout le travail fait jusqu'ici est mis par terre. Donc finalement, l'aéro a une importance, surtout sur les nouvelles WRC qui est juste énorme en fait, qui peut influer sur ta boîte, avoir le meilleur setup du monde. S'il te manque 2 ailettes sur l'aileron arrière, tu peux rien faire, quoi. Là tu mets le doigt, Mathieu, sur un sujet qui a animé des longues et longues réunions et des longues longues journées en amont de la saison 2017, parce qu'en fait c'est un sujet majeur. C'est-à-dire que aujourd'hui faire un aéro ultra technique sur une voiture terre à WRC, c'est aussi le risque de tout arracher parce qu'on roule dans la terre, on roule dans les cailloux. Alors on pensait qu'elles allaient partir en lambeaux, en fait, ces voitures, hein, quand on les a vues arriver. On pensait qu'il allait manquer des morceaux à chaque fois. Ben, en fait, c'est un petit peu le cas parfois. Après, ils ont beaucoup travaillé, tous les constructeurs, sur la fiabilité de ça. Parce qu'en fait, la problématique, elle est là. Si on fait un aéro très, très performant, mais qu'on risque d'arracher une partie, on va débalancer complètement la voiture et elle risque d'être inconduisible. Donc en fait, il y avait un vrai compromis et une vraie moyenne à trouver par rapport à ça pour que la voiture ne soit pas trop aérosensitive, c'est-à-dire qu'on puisse quand même, malgré la perte de certains éléments aérodynamiques, conserver une balance voiture optimale. Donc ça poussait peut-être à mettre un peu moins d'aéro ou des appendices un peu moins fragiles. Donc c'est un vrai, vrai sujet, Mathieu, que tu as développé là. Et ça a été un sujet qui a occupé pendant de longues semaines les ingénieurs pour trouver le bon compromis. Ah, bah, je pourrais être fier au bout de 4 semaines d'avoir posé enfin une bonne question. Voilà, vous avez posé que des bonnes questions depuis le début. Donc, Alors, c'est-à-dire qu'on était vraiment très nuls. Et les questions, souvent, les plus basiques sont les meilleures. Ouais. Cédric, on voulait terminer par une dernière petite question. Ouais, ben voilà. Ouais, Cédric, on sait que tu as vu Sébastien Loeb arriver, tu as travaillé à ses côtés. Alors, on voulait vite fait aller 2-3 petites anecdotes justement pour ce travail avec lui. Alors, lui découvrait probablement aussi ton travail à toi à haut niveau. Allez, 2-3 petites histoires qui t'arrivent comme ça avec Sébastien Loeb. Et puis, on en restera là parce qu'on a encore un invité qui attend derrière. Alors moi je te corrige, Sébastien Loeb, je ne l'ai pas vu arriver, hein. Il est arrivé avant moi, ouais. Mais malgré tout, l'ingénieur qui a partagé le plus de temps dans la carrière de Sébastien Loeb, c'est Didier Clément, que vous avez abordé juste avant, qui a aujourd'hui un nouveau rôle. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer Sébastien Loeb à partir de la période fin de sa période rallye, début WTCC, toute la période WTCC, après les quelques piges sur les rallyes qu'il a fait avec la C3WRC. Bon, les anecdotes avec Seb, j'en ai plein. Je ne saurais pas parler lesquelles. J'ai 2-3 qui me viennent en tête. Moi, j'ai le souvenir très particulier de la victoire en Catalogne, sa dernière victoire en WRC en date, en 2018. Où c'était le dernier round d'une pige de 3 événements dans l'année, où c'est qu'il avait fait le Mexique, la Corse et la Catalogne. On était en capacité quasiment de gagner sur ces 3 rallyes. Au Mexique, il a une crevaison et un vieux réflexe de Dakar, il s'arrête pour changer alors qu'il est à 2 km de l'arrivée de la spéciale. Ils sont plutôt longs à changer aussi, hein, faut le dire quand même. On va pas les. En plus, ils ont été un petit peu longs à changer. J'espère que Danos ne me veut pas de dire ça, mais... Ah, mais moi, je l'entends encore s'essouffler, ouais. Il était tellement essoufflé qu'on l'entend encore, 2 ans après. Ça n'engage que toi, c'est des propos qui n'engagent que toi. Mais oui, donc il y a ça, il y avait la Corse où c'est qu'on est sorti de la... Enfin, ils sont sortis de la route assez tôt alors qu'ils avaient la vitesse pour gagner. Donc la Catalogne, on avait vraiment un peu de pression, on voulait vraiment bien faire. Et ce rallye-là a été top, puisque pour moi, c'est un bon souvenir en tant qu'ingénieur, parce que j'ai eu la chance, en toute humilité, de pouvoir influer un peu sur le résultat avec un choix pneu gagnant. Le dimanche matin, c'était un gros moment décisif de la course. Alors, j'avais la chance d'être un petit peu là aussi, mais raconte-nous un petit peu ce moment-là, ce choix de pneu où jusqu'à la dernière seconde de l'assistance, ça hésitait entre le hard et le soft. Ouais, alors c'est un... En fait, ouais, c'est ce qui était assez
compliqué dans ce cas de figure-là, c'est qu'il avait plus des cordes pendant tout le samedi et il a plu toute la nuit. Et quand on arrive le matin, encore l'assistance, il pleut des cordes. Et la veille, on n'avait même pas roulé en soft, c'est-à-dire que même le soft était trop dur et tout le monde roulait un pneu qu'on appelle safety, qui est le pneu pluie que délivrait la FIA en cas de vraiment conditions précaires. Donc passer du safety au hard, c'était un pari un peu osé. Sauf que on avait bien bossé en amont et on avait des données qui nous permettaient d'être sûr qu'un hard show allait pouvoir fonctionner mieux qu'un soft sur des conditions séchantes. Alors c'est un ensemble, hein, c'est à la fois le travail de tout un staff technique, c'est à la fois le travail de tout ce qui est météo et conditions météo. On avait des prévisionnistes Météo France, plus tout un staff organisé autour de Jean-Paul Dicoco, que je salue à l'occasion, qui synchronisait tous les hommes météo dans les spéciales, etc. Tout ça a fait qu'on a réussi à tenter ce pari-là, et c'était un pari gagnant parce qu'on était sûr de nous, donc c'était pas tant un pari que ça. Et quand on a vu qu'on partait les seuls en hard, on a dit, bah, écoute, là, il y a un petit coup à faire, et ça s'est révélé payant. Donc c'était vraiment un super souvenir pour tout le monde, et même Seb, ça lui a apporté sa dernière victoire, donc c'était vraiment top. Donc ça, effectivement, c'est un sacré moment, un sacré souvenir que j'ai pu partager avec Seb. Ok, super. Okay. Bon, bah, Cédric, merci beaucoup. Alors, on était parti sur l'idée de faire 4 émissions avec toi. On essaiera peut-être de te réinviter prochainement. Mais en tout cas, merci. Tu as été très, très généreux dans les explications. On a été moyennement nul donc, pour les questions. Mais en tout cas, on a un retour vraiment très positif et on réfléchit à continuer dans ce sens-là. La technique, ça a vraiment sa place aussi dans ce sport. Je tenais moi aussi à vous remercier d'avoir permis de parler un peu de technique sur Confine Live. J'espère que voilà, ça aura donné quelques éléments de réponse à certains passionnés ou curieux et que ça donnera envie à certains de gratter un peu plus loin. Et il y aura des occasions avec mon activité actuelle de donner une suite à ça et d'approfondir un peu tous ces sujets. Donc j'espère que j'aurai donné cette envie-là à certains de vos auditeurs et de vos followers. Okay. Merci en tout cas. Merci Cédric. Merci à toi Cédric. Et puis bah, tu es le bienvenu quand tu veux revenir. Et comme l'a dit Eric, on va réfléchir à de nouvelles petites choses. Merci, un grand merci à toi. Ça et marche. Puis, bon courage. Au revoir et encore bravo pour ce que vous faites. Merci. Merci Cédric. Alors, il a connu la Terre, le championnat du monde, il a connu le championnat de France. Et ça fait 3 ans qu'on ne l'avait pas vu à l'image et on a un plaisir particulier à l'accueillir. C'est Julien Morin. Salut Julien. Salut les gars, vous m'entendez ? Ah, ça nous entend très bien. Ça nous fait plaisir. Et ça me fait plaisir. Je pense que la dernière fois que je t'ai vu, c'était un parc fermé du Terre des Cardabelles 2017, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, ça fait un petit moment. Bon, bah alors déjà, première chose, c'est que tu n'as pas changé. Ah, ouais. Ça, c'est gentil. Vous non plus. Franchement, on ne vieillit pas. Dans le Sud, on ne vieillit pas. Et dis-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pour Julien Morin depuis ces 3 petites dernières années-là. Bon, ouais, et puis pourquoi il a décroché. Pourquoi il a décroché. Et ça me rajeunit aussi. Donc, si je n'ai pas vieilli, c'est encore parfait. Double effet qui se coule. Donc, ça, c'est top. Julien, après, on sait, et puis bon, avec tout ce qui se passe en ce moment, on voit qu'il y avait des décisions qui étaient importantes à prendre. Hein. Quand j'ai arrêté, j'avais 31, 32, donc j'étais à un cap. Donc, c'était le moment de se consacrer à du concret, en l'occurrence, l'entreprise familiale. Et c'est un choix qui est venu de moi. Il y en a pas mal qui poussaient pour que je continue, même dans mon entourage proche. Mais à un moment donné, faut faire des choix. Aujourd'hui, je ne regrette pas. Et je m'étais dit, on fait un choix, mais je vais refaire des rallyes. Mais vu les années défilent. Et là, d'un coup, je me réveille 2 ans après. Enfin, parce que j'avais eu des projets l'année dernière. Donc, 2 ans après, je me suis dit, il va falloir remettre le casque. Tu sais que le roulage aujourd'hui, c'est un grand sujet. Hein, donc, tu vas forcément manquer de roulage en revenant. Par rapport à ceux qui arrivent à faire des essais encore. Mais d'un autre côté, il y a eu beaucoup de programmes raccourcis. Donc, le roulage s'est calmé pour beaucoup. On avait vu qu'il y a eu des grosses coupures. Mais effectivement, oui, faut pas se leurrer. La coupure a été longue. Donc, voilà, après 2-3 ans, si je reviens, c'est pas, je m'attends pas à jouer devant.
Ok, bon, moi, j'avais une petite question, Eric. Ouais, j'avais une petite question, peut-être juste, excuse-moi de te couper. Comme tu as dit, donc ça fait 3 ans qu'on t'a pas vu. Et des fois, il y a des pilotes qui décrochent un peu du rôle de pilote, mais qui continuent à revenir. Ils sont soit ouvreurs, soit ils deviennent coach, etc. Donc, toi, on t'a vraiment pas vu pendant 3 ans. Est-ce que. Non. Ah, ouais, on l'a perdu, Mathieu. Voilà. Est-ce que tu suis. En fait, la question de Mathieu, c'est est-ce que tu as continué malgré tout à suivre ce qui se passe sur le championnat de France des rallyes. Ouais, donc pour être honnête, je suis tous les résultats, au moins la plupart. Et effectivement, c'est comme quand j'ai abandonné. Pour moi, c'était invivable d'aller sur le bord d'une spéciale le lendemain ou quoi pour voir le rallye, tellement quand même l'envie est présente. Et donc j'ai eu des propos pour faire ouvreur, pour faire un peu de coaching, mais bon déjà j'étais pas mal pris par le temps parce qu'au début j'avais même eu des propos pour faire un peu de développement avec certaines marques et donc non c'était un mélange de voilà de pas être trop au cœur de l'action parce que ça aurait été peut-être difficile à gérer, un peu trop de démangeaisons et puis un peu manque de temps. Ok, alors bon, on ne t'a pas invité pour savoir si tu allais revenir, voilà. On voulait évoquer un petit peu ces belles années du CFR et on sait que tu en as vécu quelques-unes de belles, hein, notamment 2013-2014, mais ça a été aussi une campagne en mondial, voilà. On voulait un petit peu revenir sur ces années-là et de la manière où tu as vécu aussi ces années en championnat de France. Oui. Ouais, effectivement. Bon, moi j'ai un parcours, on va pas revenir dessus, mais c'est vrai que j'ai commencé le sport auto très tard. J'étais pas du tout issu d'une famille de sport auto, donc mon premier rallye, j'avais 22 ouais. ans, 22 ou 23 ans. J'avais jamais fait de circuit, jamais rien fait. Donc bon, j'ai eu la chance d'être poussé par le groupement des concessionnaires qui j'ai pu disposer de belles autos. Maintenant, il y a un apprentissage et une expérience qui ne s'importe pas, qui ne s'invente pas. Et effectivement, 2013 a été une année. J'ai eu la chance d'avoir des notions de circuit que je n'avais jamais. Hein. Moi, c'était passer des virages le plus vite possible partout. Donc, c'est vrai que j'étais un peu spectaculaire à l'époque, mais on s'est rendu compte que des fois, ça ne paye pas. Même ça ne paye pas du tout d'être en dehors des trajectoires. Donc, c'est beau. Hein, les spectateurs étaient contents. Par contre, ça ne paye pas trop. Et j'ai eu la chance de collaborer avec avec Nicolas, c'était un peu il venait sur les journées d'essai, sur quelques journées d'essai, donc on a pu travailler un peu plus. Il y a toujours du Ford là-dedans. Il y a toujours du Ford. J'ai pas dit la marque. J'ai pas dit la marque. Et donc ça. Et puis oui, en 2013, tout ça mis tabou avec Arnaud Mounier, mon ingé. Voilà, il y a des mayonnaises qui prennent. Et effectivement, en 2013, on a dès Lyon Charbot, on a franchi un cap. Et à partir de là, parce qu'en plus, j'étais quand même sur la terre, ça s'est toujours bien passé, mais sur l'asphalte, c'est là où je pêchais un peu plus. L'attaque, le feeling sur la terre, ça peut payer. Par contre, sur l'asphalte, la technique est omniprésente. Donc, déclic en 2013 et une année de fou. Ouais. Ah ben justement, alors on avait envie d'évoquer un petit souvenir et c'est quelqu'un qui va l'évoquer avec toi. Donc, on t'a préparé une petite surprise. Donc, c'est du côté de la technique que ça va se faire. Yo, Fradé, ça va? C'est clingé. Bon, mais écoute, quand c'est qu'on troque on n'a pas le son. On te fera la traduction. Aller passer un week-end sympa. Il grisonne. Sous-vêtements, il y a toujours autant de cheveux, mais... Allez, à très vite. Bon, en tout cas, il te demande justement... déjà, évidemment, il est ravi de t'adresser ce message-là, mais voilà, il te demandait quand c'est que vous allez décider de reporter, de porter à nouveau une combinaison. Je crois qu'il disait exactement quand est-ce qu'on enlève les costards et les chemises et qu'on remet les sous-vêtements et les QG. Enfin, je crois que c'était ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors là, ça a été une campagne en mondial aussi, hein, avec Nicolas Clinger. Hein. Ouais,
Oui, c'est vrai que après, c'était parce que moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir beaucoup de copilotes. J'en ai trois qui sont très importants pour moi. C'est Gilles Timonier avec qui j'ai commencé. C'est Olivier Hural avec qui on a eu pas mal de belles courses. Et effectivement, Nicolas qui, hasard, pas hasard, qu'on était sur ces années-là. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est des maillots qu'on pris à un moment donné. Et ça me fait plaisir. Il me l'avait laissé sous-entendre, mais ça me fait plaisir s'il me propose de remettre le casque avec moi. C'est cool. Et parce que mes trois, justement, les trois que j'ai cités, me disent la même chose. Donc, c'est sympa. Ok. Ton meilleur souvenir, justement, de cette année en mondial, alors, il y avait une superbe perf fin de saison, du côté de l'Espagne, il me semble. C'est quoi d'avoir atteint un peu ce niveau mondial, ou en tout cas d'être bagarré face à... Ouais, c'est vrai que c'était top. Après, on restait une équipe privée. En 2014, je suis en tête en Allemagne aussi. J'ai une minute d'avance et puis je fais une petite connerie, donc je repère 30 secondes, je fais un tout droit. Derrière, je me rappelle à l'époque, ça c'était un bon souvenir, c'était Tanak qui poussait là, avec la Fiesta des Mac, qui était revenu proche, il restait 30 bornes, à peine 30 secondes, donc fallait pas s'endormir. Et puis je crève dans l'avant-dernière spéciale. Et première victoire qui part, mais super souvenir. Et après, en Espagne, j'ai fait deux, mais mon plus gros souvenir, c'est le Tour de Corse, ouais, quand on gagne en WRC2. Il y avait Lapi avec la Skoda officielle, Brin avec la Peugeot, qui à l'époque n'était pas le top, ouais. Du top, mais des beaux souvenirs et surtout ce qui m'a marqué, et c'est là où ça serait un peu plus compliqué parce qu'il y en a qui roulent beaucoup en ce moment sur du dev, de pneus et tout, c'était en Catalogne, et c'est là où on voit que les essais qu'on parlait, c'est très important parce que j'avais fait pas mal d'essais pneus juste avant le WRC2 en Catalogne, donc c'était en 2015 ou 2016. Et puis là, on se retrouve à faire des scratchs sur la terre, ouais, devant les voitures officielles et tout, sans forcer. Et c'est là, malheureusement, sur la fin de la carrière, que j'ai vu que, des essais, quand on fait des journées à 200 km d'essais, ou 400 km d'essais avant d'arriver sur le rallye, c'est plus pareil, quoi, hein, c'est plus la même histoire. Est-ce que secrètement, tu avais cette ambition d'éventuellement espérer une place chez M Sport en pilote officiel? Ouais, à un moment donné, j'ai eu des contacts. Après, je suis toujours resté lucide par rapport à ça. C'est peut-être ce qui a fait aussi que, au début, quand j'ai commencé, que je me suis pas mis une grosse pression, c'est que déjà je vivais un rêve, on avait des belles épreuves, j'avais des belles autos, donc c'était pas une, c'était, j'avais plus une obsession côté professionnel parce que ça a été lié à des études aussi qui étaient la priorité, faire des bonnes études, et puis après du coup j'étais moins focus sur devenir, et c'est vrai qu'il y en a qui rêvent d'être champion du monde, qui restent d'être ça. Effectivement, on l'a toujours dans un coin de la tête, mais c'était pas un but plus en soi. Après, si j'aurais pu faire 2-3 années en pro, ça aurait été top. Ah ouais. Bon, tout à l'heure, on t'a entendu dire qu'il y avait eu des projets l'an dernier. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus maintenant que c'est passé, c'est plus un secret. Comment pouvait s'articuler le retour de Julien Morin en 2019? Et ma deuxième question, ça sera de savoir est-ce qu'il y aura un retour de Julien Morin un jour, mais déjà l'an dernier, qu'est-ce qu'il y avait? Ouais, 2020, j'allais revenir en 2019, j'ai pas, donc 2020, je devais faire le avec mon pote Romain Dumas qui avait acheté une Polo, on le sait bien, le RD Limited a acheté une Polo, ouais. Donc il m'avait un petit peu, parce qu'il y a un beau championnat en Suisse, vu que je suis en Haute-Savoie maintenant, donc c'est un peu frontalier, et donc le Chablais, je devais faire le Chablais fin mai, le rallye du Chablais. Fin mai, il a été annulé et après du coup suite à ça je me suis dit on va revenir, je voulais aller au Mont-Blanc, on le sait tous là pour toutes les sociétés ça a été un été compliqué, donc le rallye du Mont-Blanc tout de suite la première semaine de septembre c'était, j'aurais pas eu la tête complètement à ça, donc c'était pas la peine. Ça c'est quelque chose qui est important aussi, que c'est avec l'expérience, c'est quand on fait quelque chose, surtout en rallye, il ne faut pas le faire à moitié parce qu'il n'y a pas de,
il y a déjà assez d'impro, donc faut pas en rajouter. Mais donc le Vaucluse, et je voulais faire le Vaucluse en novembre, voilà, terre de Vaucluse, et, bon, bah, qui est passé à la trappe aussi. Okay. Donc, on va y arriver. Donc en 2020, ouais. Oui, j'espère au moins faire deux rallyes. Maintenant, ouais. Lesquels, je ne sais pas, mais ces deux que j'ai cités, pourquoi pas les sécuriser, ouais. Ok, bon, bah, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui te suivent. La même question que j'ai posée à Cédric Robert avec ces années-là, quel est l'adversaire qui t'a donné le plus de fil à retordre sur les saisons de championnat de France? Ah bah c'est simple ça, hein, c'est Jean-Marie Kyok. Ouais, ok. Voilà. Et ça a duré un bon moment. Hein. Ouais, on s'est tapé des belles bourses. C'est vrai qu'on était en transition avec la 1600, moi j'avais la 1600, lui ouais. avait les 2 litres, du coup on était un peu un changement quoi, hein, parce que ça restait des voitures. Oui, en fait, tu as fait la liaison, toi. Hein, c'est vrai que cette ouais. année-là, tu as fait un peu la liaison des 1600 turbo au R5 après aussi. Donc, Ouais, et puis c'est là où, par contre, j'ai peut-être un peu. Ouais, parce que c'est vrai que tout le monde disait, bon, bah, la 2 litres, même à moi, on me disait pour me rassurer, ouais, la 2 litres, c'est plus puissant, ça marche mieux. Donc, effectivement, hormis des petites certaines spéciales où tu es mieux, mais sinon, dans la globalité, tu es beaucoup mieux. Et c'est là où je me suis forcé à bosser. J'ai dit, non, mais c'est pas les ingés ont fait une 1600, théoriquement, ça doit être une voiture qui en tout cas va rapidement concurrencer ça. Donc c'est là où j'ai redoublé d'efforts pour battre Jean-Marie, qui a toujours été en plus un adversaire, en plus d'être valeureux, on s'est toujours bien entendu. Mais ouais, effectivement, il m'a poussé dans mes retranchements. Ouais. Et j'imagine qu'en suivant les performances ces deux dernières saisons, tu te rends compte que les R5 aujourd'hui, ça va plus vite que les WRC 1600 de l'époque. Hein. Exactement, ouais, ou en tout cas, apparemment, à peu près, en tout cas, au moins pareil, quoi. Je sais pas si ça va plus sur la vite. Terre, sur la terre, ça va pas tarder. Plus vite. Ouais. Sur la terre, ça apparemment, va plus vite. Sur l'asphalte, on m'a dit qu'il y avait encore. J'avais encore quelques chronos qui restaient, mais bon, il n'y en a plus beaucoup. Après, c'est pas les mêmes conditions, mais ça, j'en suis sûr. Donc, c'est pour ça que c'est sûr que si je reviens. Ouais. Là, si je reviens, ça sera avec une R5, parce que pareil, j'ai toujours le mieux, c'est de rouler avec la même auto que ses concurrents. Ça, il n'y a pas de sujet. Et effectivement, et puis pour un prix qui reste toujours élevé, mais qui est moins important que les WRC ou même les S2000 de l'époque. Quoi. Pour rebondir là-dessus, tu as eu la chance, tu l'as dit, hein, de rouler avec des belles voitures. Laquelle t'as le plus marqué dans tout ce que tu as eu entre les WRC, les R5, la DS3 WRC sur ta dernière année? Évidemment, c'est la Fiesta WRC pour tous les souvenirs. Et puis, bon, j'ai roulé quand même, j'ai roulé de 2012 à 2015 avec, même 2011, ouais, 12, 3 ans. Donc, c'est là où j'ai pu faire cette course, plus en RRC. Mais quand j'ai fait une saison avec la DS3, qui était une full spec, moi, c'était 2012. Donc, quand j'ai fait le championnat terre, donc c'était en 2016, 17 même, c'était la dernière DS3 qui était sortie de MIC, là, le dernier châssis. Avec les palettes au volant et une finition de voiture d'usine, hein, on le sait chez Citroën. Et là, effectivement, c'était diabolique comme auto. Ouais. Okay. OK. Donc, WRC, on résumera, c'était les WRC. Là. Le top. Okay. Justement, ça la Ford la MK2, là, la dernière version, qui semble être une voiture plutôt efficace, c'est quelque chose qui te tenterait ou au moins de l'essayer avant un éventuel retour? C'est vrai que là on a un tournant, hein, parce que moi j'étais resté un peu sur 2019 où la Skoda, la Polo étaient largement au-dessus du lot. Là on voit que la C3 clairement sur 2020 fait un gros step en perfo. C'est, je pense, aujourd'hui la référence. Je ne sais pas ceux qu'on conduit différentes. Il faudrait demander à certains comme qui a Quentin Gilbert ou quoi qui a conduit les deux. La Fiesta était un peu en retrait pour moi en perfo de ce que je suivais, hein, de loin derrière mon ordinateur. Mais là, on voit que depuis quelques rallyes avec Adrien, qu'elle est dans le match, quoi. Ouais. Et Mathieu, est-ce que du coup ma question c'est de se dire, est-ce que tu en as essayé une R5 juste sur une séance d'essai comme ça, ou je sais pas 5 km une R5 de dernière, une dernière R5, j'en ai pas essayé, non. Ok, très bien. Je commencerai par ça. Ouais, il faut faire quelques séances d'essai avant de t'engager. Ouais.
Ouais, parce qu'ils vont vite, hein, les jeunes, là, maintenant. Hein, ils sont vraiment affûtés. Alors, ils roulent beaucoup, déjà. Ça veut pas dire que Julien est vieux, Eric. Hein, non, c'est pas, je voulais pas en arriver là. Mais, non. Si je reviens, on se préparera bien. Allez. C'est exactement, okay, c'était un peu ma question, et j'en doutais pas, mais c'est de se dire, quand on est double champion de France, qu'on a eu un beau palmarès comme tu as eu, quand on revient juste entre guillemets pour le plaisir, j'ai toujours un peu du mal à y croire à ça, parce que si tu as envie de revenir, c'est pour te faire plaisir, mais si tu fais le 18e temps d'Anjou ouverte, le 23e d'Anjou plane, et non, je pense que ça ne te satisfera pas, donc il faut quand même bien se préparer. Ouais, on ne se fait jamais autant plaisir que quand on gagne, hein. Ouais, comme tu dis, tu ne peux pas nous croire, celui qui dit je viens pour le plaisir, ouais, mais même à 50 ans, et c'est ça, et c'était ça au début ma peur, j'ai dit, parce que même au bout, tu coupes un an et demi. Je me disais, mais c'est exactement ça, quoi. C'est la première spéciale, je fais le 18e temps. La deuxième, où je me fais mal, il va se passer un truc, quoi. Donc, ce n'est pas la deuxième, ce sera la troisième. Après, on a de beaux exemples, hein, ces dernières années, avec, de temps en temps, un retour de Gilles Panizzi ou de François Delcourt, qui est toujours encore truc. Donc, ça te laisse encore une bonne vingtaine d'années, quoi. Oui, non. Sur l'asphalte, surtout sur la terre, je me fais moins de soucis. Ouais. Hein. Je ne dis pas que je vais jouer devant, mais... l'écart est différent, hein, mais c'est vrai que sur l'asphalte, là, tout le monde a l'air bien affûté et à mon avis, ouais, ça sera pas simple. Donc, on viendra après, même si je fais deux jours d'essai, c'est pas ça qui va suffire à combler le truc, mais faudra. J'ai pris la maturité et j'essaierai de pas tout donner dès la deuxième spéciale. Ça se fait mal, c'est pas le but. Ce sera pas le but. Okay. Bon, merci. Je sais pas si Eric avait une dernière question, mais en tout cas, ça nous a fait bien plaisir. En fait, je voulais finir avec ça. Ça nous a fait réellement plaisir que tu acceptes l'invitation. On sait que quand on n'a pas vu quelqu'un pendant 3 ans, on sait que c'est qu'on n'est pas sûr d'y arriver. Mais en tout cas, on sait que tu as fait plaisir à beaucoup de monde aussi. Donc on est plutôt heureux de t'avoir fait revenir au moins déjà à l'écran. Merci beaucoup, Julien. Moi aussi, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Et vraiment, je l'ai accepté. Hein, tu as vu, je n'ai pas mis longtemps à répondre. C'est vrai. Direct, je l'ai accepté. Cédric Robert était de temps scratch quand même. Hein. Vous avez eu l'invitation tous en même temps. Cédric est devant toi encore. Ouais. Parce que je pensais que Mathieu me faisait la gueule depuis qu'on avait une petite aventure en Pologne, en Clio Break, en Rocco. Mais ça va. Alors. Toi, heureusement que tu étais là, Eric. Hein. Ça pourrait être une anecdote je vais pas dire mes pires souvenirs, mes souvenirs peut-être les plus marquants, tu vois. Et moi, je suis resté dans le milieu, je vis encore des belles choses, mais j'avoue que ce retour Mikołajski-Varsovie en Clio Break avec Julien Morand en volant, je pense que ça restera gravé dans mes top 3 des plus grands souvenirs de ma pseudo-carrière en sport auto. Ouais, et ben moi aussi. Je suis encore un peu blanc, en fait. Je suis resté bloqué. Mais non, t'inquiète pas. Bon, et ben super, allez, les gars. Allez, merci, à bientôt. Bonne soirée, merci. Salut. Merci. Allez, Mathieu, je te laisse terminer. Ouais. Écoute, Eric, c'était déjà 20h05, c'était une super émission. On a abordé 5 thèmes, tous plus intéressants les uns que les autres. On finit en fanfare avec Julien, ça me fait vraiment plaisir. Déjà, je pense à tout le monde et à moi personnellement de le revoir. Encore une belle émission. Il me reste à vous donner rendez-vous la semaine prochaine, hein, comme tous les mardis. Maintenant, vous avez pris le pli. 18h30 mardi prochain. Un grand merci à l'équipe technique, Max, Pierre, Elisabeth et Emma qui nous ont aidés à préparer cette émission. Merci à nos partenaires. Merci à toi, Eric. Et puis, d'ici là, prenez soin de vous. Et nous, on va tâcher de vous préparer une 11e émission qui sera, on espère, au moins aussi belle que la 10e. Allez, merci. Salut à tous. Bonne soirée à tous. À tous.